Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique, comment remplacer un plateau direct mount sur pédalier SRAM. Allez, à tout de suite en vidéo! Alors, particularité de chez SRAM, le premier écrou va servir d'extracteur et il faut aller chercher la vis directement à l'intérieur et la dévisser. Ça va faire effet d'extracteur. Si des fois vous avez un autre type de pédalier et qu'il n'y a pas cette rondelle extracteur, il vous faudra un petit outillage que vous allez visser dessus et quand vous allez le visser, ça va vous sortir les manivelles. Donc là, il n'y a qu'à desserrer. Et voilà, votre pédalier est sorti. Pour remplacer sur votre plateau sur un pédalier direct mount, il n'y a rien de plus simple une fois qu'il est démonté. Vous avez juste ces trois vis à desserrer pour qu'il sorte. Une fois enlevé, vous remettez le nouveau plateau. Il y a des gorges, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vous voyez par exemple, il n'est pas bien mis parce que je ne suis pas dans les vis. Et là, on est bon, on a accès à toutes les vis. On remonte les vis à une coupe de serrage de 8 à 9 newtons. Voilà, une fois le plateau serré, vous avez fini. Vous avez remplacé votre plateau direct mount. Il n'y a plus qu'à reposer le pédalier sur le vélo. Voilà, tuto assez basique, assez simple. Bon, c'était bon à faire quand même, vu qu'on a fait toute la transmission en tuto. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Allez, ciao tout le monde!